Salut, Minou. Oula. Tu veux pas que je t'achète du shampoing anti-chute, là? Arrête juste d'acheter du shampoing anti-poux, ça suffira. C'est débile. Bon, enfin, on est tous les week-ends, limite, chez Aquafetard. On peut en acheter un, c'est hyper rentable. En 6 mois, il est rentabilisé, le truc. Bon, il faut beaucoup pédaler, mais moi, j'adore ça. Oh non. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est les impôts? Oh non, c'est pire. De quoi, c'est un décès? Oh non. Attends, ne me dis pas que c'est une réunion parents-prof. Si. Chatoun. Oh là là. On va y arriver. Oh. On va y arriver. Alors, Chatoun, qu'est-ce que t'as acheté? Des verres à muscat. Ah, bah c'est bien, ça nous manquait. La dernière fois, on a acheté des verres à Morito quand on avait invité les Duval. Des verres à cognac pour je sais plus qui. Des verres à liqueur, tiens, pour ton grand-père qui est venu nous voir une fois en 15 ans, bah, je crois. Oui, bah ils peuvent avoir envie d'un muscat et moi, j'aime pas être prise de cours, voilà. Oui, je sais, ma chatoune, je sais bien. C'est ta manière à toi de gérer le stress, y a pas de souci. Bon, maintenant qu'on est blindé au niveau des verres, je vais chercher du vin à la cave. Blanc, rouge, qu'est-ce qu'on mange? Comment ça, qu'est-ce qu'on mange? Bah, c'est toi qui étais censé t'en occuper. Ah bah, j'avais pas compris, chatoune. Mais c'est dingue, ça, tu sais très bien que je peux pas cuisiner sous pression, donc c'était toi. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, super, ils arrivent dans une demi-heure. Bon, bah, attends, mais c'est bien, mais attends, c'est pas grave, tout va bien. On a qu'à commander des pizzas, y a des bières au frigo, donc. Pizzas? Ça craint les pizzas. Mais non, mais c'est des copains avec qui j'étais en coloc, ça rappellera les souvenirs, bière, pizza, tout va bien. Ah bon? Mais oui. Bon, bah d'accord. Allez. Ouais. Attends, tu vas où, chatoun? Bah, je vais acheter des chopes à bière. Donc, tu imites ma signature sur ton carnet de correspondance. Tu imites la voix de ta mère au téléphone pour excuser tes absences auprès du CPE. Regarde-moi quand je te parle, s'il te plaît, merci. Tu lui piques ses fringues, ses strings, ses crèmes, bien, Laetitia. Voilà, donc on s'est dit que si tu aimais tellement nous imiter, la moindre des choses, c'était de le faire jusqu'au bout. Donc tu vas nous imiter quand on fait la cuisine, quand on fait le ménage, quand on lave le linge, pendant une semaine. Tu peux commencer par l'entrée. Vous faites chier. Pap, mademoiselle, comment vous parlez, s'il vous plaît, là? C'est quoi ce ton-là? Bah, vous m'avez demandé de vous imiter, bah, je vous imite jusqu'au bout. Non mais, mon Sergio, je vais te dire... Non, attends, je te donne mon point de vue. Je vais te dire quel est le problème. Ben oui, c'est qu'elle a besoin d'être rassurée. Mais c'est évident. Eh, c'est toi le mec ou pas? Eh ben voilà. Mais ouais, mais bien sûr. Hein? Réac? Mais non, mais tu sais comment elles sont les femmes. Mais oui, tu sais comment elles sont. Elles veulent qu'on les comprenne, qu'on les aide et blabla, patati. Bah, ouais. Voilà, mais oui, mais c'est ça. Non mais c'est ça, tu vois. J'ai froid, j'ai chaud. Oh mais pourquoi j'ai mal au ventre et pourquoi tu me dis ça? Oh là là, attends, ça va. Non, mais je vais te dire la vérité, ce qu'elles veulent aussi, c'est qu'on fasse preuve de virilité, tu vois. Ah ben, je peux te dire que moi, avec Isa, c'est comme ça que ça se passe, hein. Ouf. Ah ben, je peux pas tout accepter, hein. Je crois même que, je vais te dire un truc, je pense qu'elle détesterait si je montrais pas mes muscles de temps à autre. Ah ouais, vraiment, vraiment. Merde. Non, c'est pas toi que je dis ça. Non, attends, Sergio, je peux pas rester.
Non, non, j'ai un truc hyper urgent. Ouais, faut que je règle un truc hyper urgent. Ok, ça marche. Je t'embrasse, bisous, bisous. Oh la vache. Oh, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Bon. Et voilà. J'ai mis le programme intensif du détachant, ça... Oh là là, ça a rien fait. Bon. Je suis mal. Gabi, t'es mal. Oh, mon pauvre minou. T'es fatigué, hein? Ouais, mais t'inquiète pas. Je te prépare une surprise. Tu vas être content. Ouais, à tout de suite. Qu'est-ce que tu fais, là? Eh ben, je prends mon bain. Merci, ma chatoune. Non, mais excuse-moi, c'est mon bain. Ça fait une semaine que j'y pense et une heure que je le prépare. Bah, je savais pas, mais viens, il y a de la place pour tous les deux, allez, oh viens. Bah oui, t'as raison, on va être à l'aise. Mais oui, comme dans Pretty Woman. La mousse, tout ça, allez. Comme dans Pretty Woman? Mais oui. Ah ouais, comme dans Pretty Woman. Allez, viens. Ça va, chatoune? Ouais, ça va. Et toi, ça va? Ouais, super. Alors, c'était quoi ma surprise? Ben, c'est que, en fait, les enfants, ils sont pas là ce soir. Aïe! Ah, yes! Ah, yes! Ouais. Bon, tu sais quoi? Quoi? Je vais aller prendre une douche, là. Non! Si, parce que tu n'es pas Richard Gere, je ne suis pas Julia Roberts, et ça ne marche pas, ça ne marche que dans les films. Allez, hop, ça va. Oh! Assoir, maman! Stop, Laetitia! Alors, tu vas te démaquiller au Karcher, tu vas rallonger cette jupe de 20 cm, tu vas scier 6 cm de talon, mettre deux épingles à nourrice à se décolleter, tu vas enlever le vernis fluo et tu pourras sortir. Mais comment tu fais? C'est l'expérience, chérie. Tu enlèves les deux lustres que tu as aux oreilles, je te remercie. T'es relou, de toute façon, tu connais rien à la mode. Bah non, je sais. C'est dingue. C'est dingue. Mais je me rappelais même pas qu'il y avait du parquet dans sa chambre tellement il y avait de bordel dessus. Ah bah oui, attends. T'as appuyé les carreaux, regarde. On arrive à voir à travers. Attends. Respire. Ça sent rien. Non mais j'ai la chair de poule, là. Tu penses qu'on est rentré dans une nouvelle ère ou pas? Tu sais quoi, je crois qu'en fait on n'est pas si mauvais comme parents. Oui, alors Chatoune, je voudrais pas te décevoir, mais je crois que sur ce coup-là, on n'y est pour rien. Ah bon? Bah si c'est pas nous, c'est qui alors? Ah bah... C'est Zormoun. Ah, l'autre, là. Oui. Oh là là. J'aurais tellement aimé qu'il fasse ça pour moi. Bah oui, je sais, ma chérie. Mais bon, là, je pense que la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de faire en sorte qu'il reste le plus longtemps possible amoureux de cette fille, quoi. Là. Attends, et si c'est pas une fille pour lui? Chatoune. T'as raison. Si c'est pas une fille pour lui, au moins, c'est une fille pour nous. Je pense. Il aime le soleil, il aime le soleil, oh, il aime le soleil, pas, il aime le soleil. C'était bien la commande, Mignon? C'était énorme, franchement. Oh, allez, par contre, Léon, il n'y a que des gonzesses. Je suis le seul mec et je peux te dire qu'il y en a certaines qui n'étaient pas insensibles à mon charme. C'est en même pas temps, vrai. Quand on voit comment je chante, c'est normal. Mais oui, dis donc, parce que là, je suis sur le site de la chorale, effectivement, je suis un peu inquiète, il n'y a que des filles. T'es sur qui, toi? T'es sur Georgette, 64 ans, ou Raymond, 82 ans? Peut-être Janine, parce qu'elle est bien quand même. Joli profil. Un peu prognate, là, avec le dentier, hein? Jalouse, tu es jalouse. Tu parles. Tu es jalouse car je me fais draguer par des... Vieilles? Non. Par des vieilles. Je me fais draguer par des femmes. Ringard. Ça te rend jalouse. Hyper ringard. Car elle est jalouse. Une chorale de vieilles, quoi. C'est hyper ringard. Oui, mais mon Sergio, à chaque fois, c'est la même chose. T'as l'impression que c'est la femme de ta vie, puis au bout d'un moment, tu travailles, c'est tout. Papa. Mais
Je sais. Non, mais t'inquiète pas, mon poteau. Un jour ou l'autre, tu trouveras la bonne et puis c'est tout. Voilà. Papa. Ouais, attends, quitte, Sergio, quitte pas. Oui. Papa, c'est vrai que le corps humain est composé de 80% d'eau? C'est marqué dans ton livre? Ah bah... Ah bah c'est dingue, ça. Hé, hey, Sergio, cette gonzesse, c'est rien que de la flotte. Tu t'es fait larguer par 80% d'eau, alors... Relativise, hein. Peut mieux faire. Insuffisant. Moyen. Ne fait aucun effort. Et encore peut mieux faire. C'est lamentable. C'est lamentable. Moi, une fois, j'ai eu, en sixième, une vraie touriste aurait au moins pris des photos. C'est pas mal, hein. Moi, c'était en quatrième. Prof de français, vous risquez de passer la barre du zéro. Sortez la doudoune. Oh oui. Oh, attends, une fois, moi, j'avais eu... si vous mettiez autant de soin à faire des équations qu'à rigoler, vous pourriez envisager le Nobel. Ah oui. Ah, oh, les profs. Mmh. Bah, c'est plus que c'était. Ah ben oui, franchement, c'était autre chose, quoi. Je sais pas, il y avait de la recherche, quoi. Mais voilà. Oui, il y avait... Ouais. Bon, on y va, hein? Ouais. Ouais. Laetitia! Descends immédiatement! Maman? Quoi? C'est quoi l'impressionnisme? C'est un mouvement en peinture. Quoi comme mouvement? Bah oui, c'est vrai, Chatoun, c'est quoi comme mouvement, tiens? Hein? Ah mais attends, si tu sais pas, c'est pas grave, attends. Ça bien va. Sûr, je sais, t'es fou. Ah oui? Bah évidemment. D'accord, ok. Juste, faut que je réfléchisse deux minutes, voilà. Bah ouais, vas-y. Alors, donc... L'impressionnisme, ça me revient. Voilà. Alors, donc c'est un mouvement pictural qui est né à la fin du 19e siècle et qui a vraiment été très critiqué, tu vois, au début, parce que ça marquait la rupture de l'académisme avec l'art moderne. Par exemple, il y avait qui comme peintre? Ah bah oui, tiens, Chatoun, il y avait qui comme peintre? Oui, les plus connus, hein, on va pas rentrer dans le détail non plus. Bah non, Anna Bock, Degas, Cézanne et Manet, bien sûr. Manet. Maman? Oui? C'est toi qui écris les articles sur Mickey Media? C'est vrai que t'es forte, Chatoun. T'as vu? Ah là, c'est incroyable. Incroyable. Mais tu sais, si t'as besoin de trucs, des fois, tu me demandes... J'ai retenu pas mal de trucs, hein, de mes études, en fait. Ouais, ouais. Franchement. T'es un peu notre Google. Ouais, quelque part. Oh là là. Ça va pas mieux, Minou, hein? Je suis désolé, Chatoun. Mais non, mais c'est pas grave. C'est pour toi, ça m'embête. Ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Bon, tu sais quoi? On va tenter un dernier truc. D'accord. Merci. Ça fait du bien quand tu me caresses le dos. Oui. Ah.